Le soleil est déjà couché depuis un bon moment quand le mécanicien de locomotive Tom Harding immobilise son train ici à Nantes, à quelques kilomètres du centre-ville de Lac-Mégantic. On est le 5 juillet 2013, la nuit où tout a changé pour les Méganticois. Les 72 wagons-citernes pèsent environ 10 000 tonnes et contiennent plus de 7,7 millions de litres de pétrole brut. Vers 23h30, un incendie se déclenche dans la locomotive, ce qui nécessite l'intervention des pompiers de la municipalité. Ils éteignent le feu, ferment le moteur et quittent les lieux, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'il y a une partie des freins qui se relâche. The fire is all gone. It's extinguished. Okay. Do I need to go up there and start up the second unit? No. Un peu avant 1h du matin, le train fantôme débute sa descente vers Lac-Mégantic, où des milliers de personnes dorment et des dizaines d'autres font la fête au Musicafé, tout près de la voie ferrée. Il est 1h15 du matin et le train rempli de pétrole déraille à plus de 100 km/h au cœur de la communauté. 47 personnes sont tuées et 2000 sont évacuées. Dans les jours suivant la tragédie, les questions sans réponse se multiplient et les critiques s'accumulent contre la compagnie ferroviaire. La visite du patron de la MMA, Ed Buckhart, ne passe pas inaperçue. On va être pas millionnaire, mais Christ, on a du cœur. Nous autres, tu vas voir qu'à Mégantic, on va te checker, mon... Quelques mois plus tard, 3 employés de la compagnie ferroviaire sont arrêtés. Le mécanicien Tom Harding, le contrôleur ferroviaire Richard Labrie et le gérant de l'exploitation ferroviaire Jean Demaître sont accusés de négligence criminelle ayant causé la mort de 47 personnes. Les 3 hommes sont finalement acquittés en janvier 2018, après 9 jours de délibération d'un jury. I do not find the words sufficient to express my sympathies. Parallèlement au processus judiciaire, les enquêtes se multiplient pour déterminer les causes de la tragédie. Le Bureau de la sécurité des transports identifie 18 facteurs qui ont contribué au drame, dont le manque d'encadrement de l'industrie ferroviaire par Transport Canada et une culture de sécurité défaillante chez MMA. Complex systems require more than that. 2 mois plus tard, les rapports du coroner sont dévoilés et ses conclusions se résument en quelques mots. La tragédie aurait pu être évitée. Pendant ce temps-là, sur le terrain, les travaux se multiplient pour nettoyer et décontaminer le site de la tragédie, la fameuse zone rouge. Le chantier prendra 2 ans avant d'être complété et oblige la démolition de presque tous les bâtiments encore debout. Des citoyens déclenchent aussi une action collective après la tragédie. La quasi-totalité des entreprises visées ont accepté de verser des centaines de millions de dollars pour indemniser les familles des victimes. Mais l'entreprise Canadien Pacifique, elle, refuse d'y verser un sou. Elle juge qu'elle n'est pas directement liée au déraillement. En décembre 2022, un juge de la Cour supérieure donne raison à l'entreprise ferroviaire, mais la décision pourrait être portée en appel. On est en état de choc. Pour moi, c'est 10 ans de ma vie là, que j'ai consacré à ce dossier-là. Les efforts de reconstruction entamés depuis 10 ans aident à panser les plaies, mais la guérison est difficile pour certains, car une décennie plus tard, sans voie de contournement, les trains continuent à traverser le cœur de la communauté, un dur rappel du 6 juillet 2013.